des intellectualisations rhétoriques écochisantes, des études fondées sur notre frustration. Nous savions que le monde devait changer, mais nos réponses n'étaient pas satisfaisantes parce que nous n'abordions pas la souffrance humaine au bon niveau. Nous ne pouvons pas prendre en main une situation à moins de contrôler son environnement, c'est-à-dire nos propres corps physiques, mentaux et spirituels. Là réside la vraie souffrance. Nous n'avons pas besoin d'être tendus. Nous pouvons être en harmonie avec l'environnement, considérer le monde selon une perspective claire. À mesure que nos corps apprennent à laisser libre cours à leur dynamique, notre ajustement aux situations, nos relations avec autrui, avec d'autres soi, peuvent être plus libres. Le gain de conscience passe par une plus grande connaissance de son corps. À mesure que nous devenons plus sensibles d'instant,